the men's road race at the Cycling World Championships. And on this final Sunday in September, it'll be a fierce battle over the rolling terrain of Northern England. Had over 10K of neutral start riding. And once the flag dropped, they were off, and the racing was pretty aggressive right from the gun here. Yeah, they're flying right from the start, averaging right around 55 kilometers per hour for right on the first 30 to 45 minutes of racing. Some surprise attacks, especially with Dan Martin. And now with Nairo Quintana in the breakaway, a lot of these guys are trying to push the race forward as fast as possible. Primoz Roglic throwing his hat in the ring as well. And then we had this big lead group of some pretty prominent riders get established. 11 riders altogether, including the U.S. national champion Alex Howes. They formed the day's signature breakaway. And this peloton has been trying to keep them within a reasonable distance for a while now. But with the rain come situations like this, having to ride through a big puddle out there on the road. And then and back to the leaders, gap at 4.5 minutes with 171 left on the kilometer clock. Rolling through the names once more. This group developing earlier in the race. And still working well. Precisely 3 minutes from the breakaway to the peloton. About 82 miles left to ride. And a lot of that will be spent on the circuits around the finishing town of Harrogate. They'll hit the first circuit with 124K left to go, so getting closer. These guys do it all the time. Well, coming into the circuit here, this is the climb that they will do up to the finish on 9 different occasions. It's steepest at the start. They're going past that now. And a few hundred meters to where the finish line is located, and the circuits officially begin. 11 leaders. They have been out front since the opening kilometers of the race. Their margin a minute and a half with 125K to go. And Alex Howes of the U.S. in the dark jacket helping to lead the way. Peloton not far behind. Jos van Emden from the Dutch squad leading them through that last right-hand corner, 500 meters to the line, all uphill. Now this is where the sprint's really going to unfold. Ooh, Spanish rider stopping on the side of the road there. Some of those rain jackets, taking those rain jackets off and getting them caught in your back wheel. Pretty sure that's what just happened. Yep. Happens all the time. Oh, and a crash. A crash coming up that hill. A Dutch rider is down. A Belgian rider? Is that Gilbert? That's Gilbert. Philippe Gilbert has gone down. He's on the ground. He does not look good. Remco Evenepoel stopping for him right away, making sure he's okay. The world champion from 2012, Philippe Gilbert. He's got the black jacket on there. Oh. Number 12. The French now leading the way. Oh, look at Chavez made his way up to the front, the Colombian rider. Good to see him up at the front. Cavagna and Asgreen, though, doing all the damage up there. Two guys in separate teams here today, but share the same trade team. De Kunik. All right, here comes the next group through. This is the Gilbert group here. Oh, not as far back as I thought it was, being led by Remco Evenepoel. So impressive the way he rides his bike here, 19 years old. The race is on right now. 103K remaining. When they come back around to the finish line, it'll be 7 laps left to go. And the pace really pretty high here at the front. Yeah, it is. Tim de Klerk on the front, they call him the tractor, the Belgians. Greg Van Avermaet's second wheel. Wow, I'm surprised they're doing this. Especially with their teammate off the back, or two of their teammates off the back. Remco and Gilbert, they're not coming back with this speed. Maybe they made it back right before they got the word that he was back, and then he hit the gas. There's Lawson Craddock right there in the middle of your screen, followed by
Peter Sagan. Let's look at the back of the pack to see if we get a glimpse of Remco. Nope. And now here is the American from Texas launching the move, and other riders now trying to come across and respond. It looks like Stephen Kung right there trying to get across him right now, the Swiss rider. Really hard to make out any of these guys. It's pretty much all in black. The rain jacket still up and over their country uniform. That's definitely Lawson Craddock, though, that's for sure. This is the first attack of anyone from the field since the breakaway was caught earlier. Sascha Sutterlin of Germany back here at the team car. With a small gap over the field, Stephen Kung and the American Lawson Craddock with still 66K left to ride on the day. At the Tour de France, almost won a stage there. You can see on their faces just frozen. More so Stephen Kung, he looks like he's just an icicle out there. Oh! Looks like Albasini, the Swiss god, going down. One of the first crashes we've seen in that corner. See how close they are to being on the limit. Michael Albasini going down on that left-hand corner. The Danes going to the front and driving the tempo. The Netherlands right there as well. Belgians and Spaniards, as well as the French, trying to respond. Listen to the crowd there cheering Lawson Craddock on. Three-man group. Yeah, that's Mads Pedersen coming across from Denmark. Impressive bridge there. Another rider in the background too. Yeah, I haven't made out the Dutch rider yet. Looks like he has a Bianchi bike. Should get a good view here. Oh, Craddock now losing contact. Pedersen taking up the lead and making a charge here at the front with Kung glued to his wheel. So Tunisin catches on. It's Pedersen, Kung, and Tunisin. The three riders at the head of the race, 200 meters to the start of the next lap. There's Moscon, about 100 meters behind them. Animated conversation among this group before, especially Tunisin and Pedersen. Look at this. I think Mads Pedersen's arguing with Tunisin, tell him that he wants to pull, and I am pulling. What do you want from me? Pull harder. I'm doing my best. Tunisin doesn't have to do anything, really. He could be sitting on the back if he wants to. So he's pulling through and maybe not pulling hard enough to Mads Pedersen's liking. Yeah, look, asking for some food there. You're not going to eat it? Give it to me, man. I'll take it. It's like kids at lunch. I'll trade you the bologna sandwich for the salami. Now Mike Tunisin is dropped from the group. Getting dropped from the leaders, the Dutch rider in the orange going backwards. So it's now Pedersen, Kung, and Moscon left. Wow, how strong has Kung been out front for a long time now? This is the chase group of four coming to the front here. Les Matteo Trentin vont rentrer. C'est pas une bonne nouvelle non plus pour le clan belge. Mais là, on l'a vu, tout le monde a vu hein, Mathieu Van Der Poel bouger. Tout le monde a vu Matteo Trentin bouger. Si on n'est pas dans la roue, c'est que physiquement, on n'était pas capable. Et on a vu Julien essayer d'y aller, mais il a été dépassé, hein, Julien, ensuite. Pas forcément une bonne indication visuelle sur la forme de l'Auvergnat dans cette fin de championnat du monde. Et derrière, on essaie de s'organiser. Mathieu Van Der Poel qui fait un peu le point. Bah, il se retourne, il voit qu'ils sont que trois, ça ne rentre pas derrière. C'est David Martinez hein, qui est là. Et lui aussi, il a été présent sur les routes de la Vuelta. Ça serait une année de première pour la Colombie. Première victoire sur le Tour de France. Premier podium, parce qu'ils n'ont même jamais fait de podium sur un championnat du monde sur route. Quatrième place. Ouais. Les espoirs, oui, mais pas chez les pros. Et voilà, les Belges obligés de se dévoiler avec Tim Wellens,
l'Italien ne bouge pas. On voit ce Nicole Brelli en deuxième position. On a Gianni Moscone à l'avant et on a Matteo Trentin dans ce trio. On aura donc deux Italiens à l'avant. Ouais, Moscone qui relance alors que Trentin est en train de rentrer. Il n'a pas vu. Ouais, je pense qu'il n'a pas vu. On rappelle qu'il n'y a pas d'oreillette. Daniel Felipe Martinez, eh bien, n'a pas pu suivre Matteo Trentin. Wow. Et Van Der Poel, ils sont donc désormais 5 à l'avant. Impressionnant Matteo Trentin. Il a ramené Mathieu Van Der Poel sur le trio. Mais regardez, comme Van Der Poel est rentré, tout le monde va se regarder, ça va faire peur et ça va permettre au groupe derrière, eh bien, de revenir. À moins que Mathieu Van Der Poel y aille tout seul. Ou Trentin. Mais bon, après l'effort qu'il vient de faire, ça va être compliqué. Alors comme ils sont dans le groupe derrière, parce que là, suite à cette accélération, ça a explosé. Et les sprinteurs en difficulté, hein. Alexander Christophe distancé, c'est ce qu'on vient de nous annoncer. Oliver Nassen, un équipier de moins dans le clan belge, distancé également. Stephen Kuhn qui n'a pas voulu prendre le relais là. Oui, il a déjà fait beaucoup devant. Les Italiens se retrouvent à devoir assumer le poids de l'échappée maintenant avec deux coureurs. Et Trentin qui a vraiment l'air d'être en grande forme. Van Der Poel qui joue son va-tout. Quel coureur ce monsieur Van Der Poel. Comme un Amstel qui a pas peur de se découvrir très loin de l'arrivée, de prendre ses responsabilités. Là on a vraiment un groupe hyper intéressant et je pense que les nations comme l'Australie, la Belgique ou la France ont intérêt à réagir tout de suite si elles veulent pouvoir encore jouer ce maillot irisé. Surtout que ça commence à s'organiser et que Mathieu Van Der Poel prend ses responsabilités. Et c'est pas surprenant hein, de voir Matteo Trentin lui emboîter le pas. Hein. Ils se sont croisés il y a quelques semaines sur le tour de Grande-Bretagne. Il est très très loin, Julien Alaphilippe. Mathieu Van Der Poel qui passe sur la ligne. Il reste deux tours. Pedersen, Trentin, Moscone, Kung. On a déclenché le chrono. Le groupe de trois qui se retrouve à une dizaine de secondes. Ils perdent du temps, hein. Il y avait 8 secondes, 1 km et demi de la ligne. On navigue désormais à 12 secondes pour Skoyn, Bettencourt et Izaguirre. Nils Polite qui essaye encore de sortir seul. Oui, puis le vrai problème, c'est qu'une fois que Velens et Etienne vont s'écarter, il n'y aura vraiment plus d'équipiers derrière pour ramener ce qui reste du peloton. Donc ça va être un rapport de force qui va rapidement s'inverser en faveur des hommes de tête. On a perdu des sprinteurs, hein. Il reste John De Gelkolp dans le groupe derrière, et Michael Matthews, bien sûr, Peter Sagan est là, ce Nicole Brelli est bien là. Pour l'instant, Peter Sagan n'a pas réagi, hein. On ne l'a pas vu. Suite à ce que Dylan Tuns et Tim Velens soient écartés, donc là, clairement, le rapport de force est vraiment favorable aux hommes devant. Et avec ce matelas, maintenant, ça va être difficile pour les Van Avermaet et Julien de rentrer derrière. C'est là, à mon avis, c'est le dernier moment pour qu'il y ait un éventuel retour de l'arrière, c'est à cet endroit. Parce que voilà, les équipiers vont arrêter de rouler, ils vont coincer, et on va peut-être voir Van Avermaet bouger, Michael Matthews, Peter Sagan. Ils seront forcément flanqués d'un Italien comme Colbrelli qui ne roulera pas. Mais là, c'est la dernière chance, à mon avis, dans cette côte, de voir les quelques costauds qui restent dans le groupe d'une trentaine de coureurs. Vous imaginez, ils sont revenus à 8 secondes. 8 secondes, les Skeins, Izaguirre et Bettencourt. Et là, ils se retrouvent à 44. Ils sont plus près de se faire rattraper par le peloton que de revenir sur les 5 hommes de tête. Allez, est-ce qu'on va voir des favoris bouger? Non, pour l'instant, c'est toujours Yvan Part qui roule. Pelthiol qui cadenasse un peu tout ça. Sonny Colbrelli toujours bien placé également. Et avec Tim Wellens, c'est terminé pour Dylan Tuns. C'est Carlos Bettencourt qui est en tête là. Ah, Moscone en difficulté. Il sera pas champion du monde. On peut avoir encore des surprises hein. Au fur et à mesure des 10 km. On voit que. On en parlait tout à l'heure. L'extinction des feux subite. C'est ce qui est en train d'arriver à Gianni Moscone. Ah, il s'accroche. Il veut basculer là. Ça bascule. Il veut donner un dernier petit coup de main pour Matteo Trentin, ne serait-ce que rouler 3-4 km. Si Trentin l'a vu, il va certainement arrêter de relayer. Ouais, il faut mieux lever le pied, quitte à perdre 3 ou 4 secondes et à avoir un équipier le plus longtemps possible. Non, ça ne bouge pas derrière. C'est vraiment des cuits, hein, c'est résigné. Hein, pour que personne ne bouge. Fuchslang avec le cache-col. C'est terminé. Terminé pour ces hommes, ils ne seront pas champions du monde aujourd'hui. Greg Van Avermaet battu, Julien Alaphilippe battu.
Michael Matthews battu. Allez, Lampard qui relance. Vous voyez Anis Aguirre, Rui Costa qui sont là. Avec l'énergie et beaucoup de désespoir, la relance d'Yves Lampard. Il le sait, hein, Yves Lampard, qu'on a été piégé. On reviendra dans le débrief, mais ce qui a tout changé, c'est la chute de Philippe Gilbert. Au même moment, Remco Evenepoel qui est là, qui attend Philippe Gilbert. On a attendu le retour, on a attendu de faire le point sur l'état de santé de Philippe Gilbert. Et on a toujours eu ensuite un coup de retard. Et retour de Jenny Moscone, l'infatigable. Ah, il lâche pas l'affaire. Chapeau à lui, hein, parce que voilà, il peut dire, bah, moi j'ai roulé pendant de nombreux kilomètres, j'ai mon leader qui est devant, j'aurais pu me relever, mais non. Bah, c'est ce qu'il va faire maintenant. Hein. Il va rester rouler. Derrière. Je crois qu'il va rouler. Ouais, ouais, on va voir. Bah, après, il aura du mal à gagner. Quand même, ah, parce que là, il a eu. Non. Après c'est un sprint après 230 kilomètres. Faut plein bon temps, avec la pluie. C'est ce que disait Romain tout à l'heure. Ouais, Trentin a l'air encore serein, pas trop le rictus au niveau du visage, encore l'imperméable sur le dos, je pense qu'il est... Après Mats Pedersen et Stephen Kung, ils vont peut-être profiter d'un éventuel marquage, puisque là les deux grands favoris, on les a cités, et ils se connaissent très bien, ils se sont croisés sur le Tour de Grande-Bretagne, ils savent qu'ils vont se jouer la victoire, Trentin et Van Der Poel, et peut-être à Stephen Kung et Mats Pedersen d'en profiter. L'équipe française, hein, représentée à l'avant, va se consoler avec ça. C'est la Groupama FDJ. Stephen Kung. Il était en forme ces dernières semaines, Stephen Kung. Il a gagné de belles choses. En Slovaquie, c'est exactement. Ça. Sur le Tour de Slovaquie, il avait remporté, je crois, la première ou la deuxième étape. Arnaud Démare avait levé les bras également là-bas. Et le Tour du Doubs aussi, surtout. Et oui, il avait remporté le Tour du Doubs, une dimanche de la Coupe de France. Un peu déçu, je pense, sur le contre-la-montre, même s'il a accroché une dixième place. C'était un parcours qui était taillé, hein, pour Stephen Kung, qui a fini très loin de Randonis. Stephen Kung qui avait gagné en solitaire le Tour du Doubs. À la cloche, on va sentir un petit peu un coup d'adrénaline, les frissons. Parce qu'on sait qu'un titre de champion du monde, quand même, dans maintenant 13 km. Donc la victoire semble se dessiner entre les 52 têtes. On n'a pas piqué, on va toujours une lampe rouler derrière dans ce groupe. Non, j'aurais plutôt une sixième place. Hein. Oui. Ah ouais. Clairement, Julien ne doit pas être au mieux puisqu'on voit avec Tony encore à ses côtés. Pas la bande du groupe, donc c'est clairement que Julien a envie de faire le deuil de ses ambitions aujourd'hui. Sur le bord, c'est un gros braquet. Pas mal de déceptions, on aura le temps de débriefer après pour les enseignements. On laissera ça aux spécialistes, aux sélectionneurs. Ouais, qui a gardé toujours son impair, c'est pas l'idéal. Oh, Mathieu Van Der Poel, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est lâché, Van Der Poel! Alors là, c'est la grosse surprise! Panne de moteur! On parlait de ses défaillances. Ça peut lâcher à tout moment. Le grand favori en panne d'essence, panne sèche pour Mathieu Van Der Poel à 12 500 km de l'arrivée. C'est tout bon pour Matteo Trentin. Ah là, c'est garé net. Fringale. Après, on disait, hein, il n'a pas non plus les nombres de kilomètres par rapport à des Matteo Trentin, par rapport à des Gianni Moscone, par rapport à Stephen Kung. Même s'il a rallongé la distance sur le trophée Primus, même s'il a fait le tour de Grande-Bretagne pour préparer ce championnat du monde, 260 km et on cale, regardez, d'un seul coup, alors qu'il semblait encore très fort il y a 5 ou 6 km. Ah, il se range, il se gare, il n'y a même pas eu d'accélération, il y avait des relais classiques. Plus d'essence dans le moteur et là maintenant, bah, il va mettre tout à gauche, je me demande quand il va finir le petit plateau. Ah, et puis derrière, bah, c'est fini aussi, parce que les Néerlandais, Nicky Terpstra, il va faire quoi maintenant? On voit que Pedersen, mais j'ai pas fait d'efforts. Team qui était au pied, hein, du podium il y a 2 ans. À Bergen, 4e. Ça va parler fort. Hein. J'ai tellement de temps qu'ils attendent, les Italiens. On parlait de notre disette à nous. Le dernier Français, c'est bien sûr Laurent Brochard, c'était il y a 22 ans. Il a fallu lui parler, mais bon, je pense qu'il est tellement concentré maintenant. Cassani, il n'est pas dans la voiture apparemment. David Cassani, sélectionneur national transalpin. Il n'est pas de chute. On a eu une fringale, on a vu, hein, sur les passages délicats tout à l'heure,
Albasini, victime d'une chute dans ce même virage. Toujours beaucoup de feuilles, hein, vous le voyez sur les bas-côtés. Allez, attention, montée difficile. Est-ce qu'un Matteo Trentin va vouloir s'isoler, rester en compagnie du Danois et de Kung? On est sans son tempérament, enfin, comme on l'a vu sur l'étape du Tour de France, on se dit, attendre le truc qu'il avait essayé d'anticiper dans la bosse, s'entend encore assez fort, il va faire la même chose. Ouais, ça commence à être dur, j'ai l'impression, pour Pedersen. Je pense qu'il a envie de rester avec Moscone. Oui, voilà, s'il accélère, il risque de distancer Moscone en premier, de se retrouver après... Pris en étau entre les deux. Et j'ai Kung qui va accélérer pour lâcher Moscone. Dans un premier temps. Et oui, parce qu'ils sont 4 et il n'y a que 3 places sur le podium. Et isolé. Et bien entendu, Matteo Trentin. Oh, c'est dur, Moscone. Hein. Il baisse la tête une fois, il la baisse deux fois. La troisième fois, ça sera terminé. À le tour d'avant, il a déjà été distancé à cet endroit-là. Il était revenu au prix d'un bel effort. Regardez, hein. Il ne lâche pas l'affaire, hein, Moscone. Stéphane Kung qui est peut-être en train de s'assurer une médaille. Oui, surtout Trentin ne va plus avoir à rouler devant. Il va pouvoir observer ses adversaires jusqu'au sprint. On voit que Pedersen commence à être en difficulté aussi. Donc ça semble quand même bon pour l'Italie. Il va lâcher Pedersen également. 1 mètre. Ouais, 1 mètre 10. Il s'accroche. Hein. Et si Kung lâchait Trentin maintenant? Ça, j'y crois un peu moins, mais bon. Allez, Mats Pedersen qui revient. Oh, à quel prix? Regardez Moscone là-bas. Il va basculer peut-être avec 10 ou 15 secondes, mais Trentin ne va peut-être pas collaborer dans un premier temps. Non, il se retourne, il regarde, il lui montre. Ah bah non, moi j'ai pas Moscone, je peux pas passer là. On bluffe aussi, hein. Matteo Trentin qui garde ce petit rictus, il essaye de montrer que bah, tout va bien. Alors que Stephen Kung est en plein effort, hein. Mats Pedersen a raccroché le wagon. Et du coup ça ralentit totalement. Bah, c'est bien joué la part de Trentin, hein. Il a tout intérêt à dire, bah non, moi je roule pas, j'ai Gianni Moscone qui revient. Vous avez fait le doublé en 2008. Ouais, c'est vrai qu'à la place de Pedersen, faut attaquer. Mais le problème, c'est qu'il peut pas. Il est déjà bien content d'être là, le coureur danois, dans le sillage de Stephen Kung, impressionnant aujourd'hui. C'est le petit prince, Damiano Cunego, qui avait pris la deuxième place derrière Alessandro Balan. On va voir s'il peut faire la même chose, il faut déjà... Gianni Moscone revient. Ouais, mais un petit grimace aussi. Hein. Est-ce qu'il est si fort que ça? Parce que là, s'il aurait été fort, peut-être qu'il aurait pu essayer de s'isoler. Alors, il est très très fort. Il joue sur tous les tableaux, c'est-à-dire son tableau personnel et aussi favoriser le destin de Gianni Moscone. Mais il faut être très très fort, surtout quand on a un titre comme ça qui vous tend les bras. Ça n'arrive pas 20 fois dans une carrière. Et la lucarne de tir avec les Evenepoel, avec les Mathieu Van Der Poel, elle va être de plus en plus réduite. Bon là les masses sont tombées, hein. On voit que... Alors, l'Italien est capable hein, de bluffer également, de jouer là-dessus. Des tout petits relais, mais... Est-ce que Pedersen peut leur jouer un petit tour là? Ça va être compliqué, on l'a senti en difficulté. Ouais, il n'est pas distancé non plus, donc Stephen Kung quand même. Ah oui, il a l'air très fort. Il a l'air fort, Stephen Kung, attention. Bah, il adore ses conditions météo, hein. Il avait remporté notamment des étapes sur les routes du Tour de Suisse, toujours sous la pluie. Regardez, ça s'appelle un baroud d'honneur ça. C'est monsieur Peter Sagan qui est en train de sortir. Avec Valgren dans la roue, l'autre Danois. Il ne pouvait pas rester anonyme sur un championnat du monde. C'est bien qu'il tente quelque chose. Il a enlevé son impair à l'occasion du dernier passage sur la ligne. Mais un peu tard. Il faut aller chercher la quatrième place. Alors, en cas de gros problème, de grosses feuilles pour y revenir de Gianni Moscone. Après, on laisse à gagner quatrième place. Virage là. Ah, on ne peut pas partir à la faute. Hein. Imaginez une petite glissade. Il y a une bonne bande blanche. On est passé là à tous les tours, mais bon, peu de fébrilité dans le final. Non, ça passe. Matteo Trentin en troisième position. Position idéale. Sous la flamme maintenant les trois hommes. Stephen Kung en tête. Mats Pedersen pour le Danemark. Matteo Trentin pour l'Italie. De la tension au sein de ces trois coureurs. Départ donné il y a 7 heures maintenant, le départ fictif. 7 heures de sel pour un titre mondial dans des conditions incroyables. La Suisse qui n'a plus connu le podium depuis 20 ans. Le Danemark qui n'a jamais connu la victoire. L'Italie qui tient peut-être un 20e champion du monde. Gold, silver and bronze sitting right here, but in what order? There's that turn onto the uphill. And now it will be uphill all the way to the finish line. Pedersen at the front, waiting to be pounced on. Trentin in a good spot, sitting second, very calm. And Kung at the back.
Everyone patient for the moment. Not trying to go too soon. A rainbow jersey and a gold medal, just moments away for one of these three riders in front of a huge crowd in Harrogate. Final few hundred meters. It starts to flatten out somewhat here, and now here goes Matteo Trentin. He's gonna try and blow past the other two. Pedersen on his wheel and then Kung. The Italian Matteo Trentin with Pedersen coming around him. It's the Dane coming up. Mads Pedersen for the first ever World Championship gold medal for Denmark. Mads Pedersen pulls it off in Harrogate. Among more than one surprise on the day, our winner, Mads Pedersen. Here comes Peter Sagan. Look at Valgren. He cannot believe it. Coming across the line in the red and the green helmet, just as realizing that Mads Pedersen. He truly is just shocked the entire cycling world. First it was Matthew Vanderpool. Now we have Jakob Fuglsang leaning across the line. What a day for the Danes. One of the smallest cycling nations brings so much talent to the forefront. And now Mads Pedersen, 23 years old. He'll be 24 in December. Love you, man. One of a series of surprises this week at the World Championships, but one of the most prominent, Mads Pedersen with the win over Matteo Trentin and Stefan Kuhn, who will share the podium here today. Men jag tror, selv om han nære, så vil han være ekstremt fornøyd med en medalje. Og kanskje det kan bli gull også. Men det Matteo Trentin som har oddsene på sin side. King kommer til å gå nå. Det hans sjanse å gå. Han må ikke gå for tidlig heller. Han må gå i det han ser målseilet, tenker jeg. Og det omtrent der. Nå kommer Moskon rundt hjørnet da, på en skikkelig fart. Ja, det for langt unna. 200 meter, og Trentin, han akselererer. Ja, Pedersen! Mads Pedersen! Mads Pedersen fra Danmark! Tar gullet! Det første VM-gullet for Danmark i fellesstart for herrer! Åh, hva deilig for Danmark! Oi, oi, oi! Matteo Trentin, var det tidenes tabbe? Rent taktisk, var du så selvsikker at i det du passerte Mads Pedersen, så var gullet ditt, så kommer 23 år gamle Mads Pedersen tilbake! Det helt vanvittig bra! Han tror det ikke selv. Ja, det så bra! Og han skjønner ingenting! Matteo Trentin. Og Valgren går inn på topp 6. Du kan juble! Se på Mikael Valgren nå! Se på Mikael Valgren! Han tror nesten ikke sine egne øyne. Ja, det så kult! Det så kult! Og her kommer Valgren, nummer 5. Går det op for ham her? Ja, det gør så, at det går op for Valgren her. Den god nok. Din landsmand har vundet. Din gode ven, Mads Pedersen, er verdensmester.
23-year-old, one-time national road champion, now a world champion for the first time ever, Mads Pedersen, in a Rowing Boat jersey that he can wear on the road all next year in every road race. When it becomes real, Steve, put that jersey on, get to wear that for the next year, you'll always be a world champion. Capping a thrilling week of racing in the UK. Podium, podium, mate! What's up?